On joue Poro, donc les items, ça nous va. Raptand, c'est la pire map de l'histoire. Shifting Sands aussi. Donc tous ceux qui sont sur ces deux cases sont des alcooliques. Retenez les noms là. Eux, ils sont dans mon Death Note. Hein. Retenez les noms. Hein. Fushi, Toxic ADC, Ekali, Sunflowers, Noxraya. Non, Noxraya, relou, mais pas pire map. Rat Town, Shifting Sands, le truc Void des items aléatoires. Ça, c'est les trois pires. Et All of the Nine. C'est les quatre pires, vraiment, elles sont terribles. OMG? Non, vous voyez par exemple celle-là. Excellente map. Excellente map. OMG, Galio? Galio la merde? Une BF. Voyez-vous ça? C'est pas une game queen là? Non, commence pas toi. Commence pas à dire des bêtises là. L'augment de Galio là, ouais. Coucou Azronico. Ouais, le top 8 là. Après, c'est vrai que je joue Poro donc j'ai plus de chances de l'avoir. C'est tellement une game queen. Allez. Tu mets une Brumble, je pense. Une BT. J'aimerais bien un Last Whisper en dernier. Il a écrit Warwick. On le bannit lui. Allez. On va tenter, on va cook un top 8 là. Regardez bien, nous allons préparer un top 8. Ouais, il est énervé lui. Pas de regret de pas être allé sur Queen hein, du coup. Let me cook my top 8. Vous voulez savoir comment on fait des top 8 facilement? Vous êtes au bon endroit. Je vais faire spell crit en dernier, je pense, si j'ai l'occasion. Let me cook mon top 8. Vous y connaissez rien en top 8, vous. Vous savez pas ce que c'est un beau top 8. Et je joue quand même Nilah et tout. Hein. Je joue Xayah, c'est sûr. Je joue Jhin, c'est sûr. Darius, non mais Nilah, t'es obligé de la jouer en fait, elle est trop forte juste. Sinon j'aimerais bien y mettre une Spa de Vanquish juste, et je joue classique en fait. Il faudrait une Spa de Vanquish, ce serait ça le mieux. C'est H-Carry, ouais mais... Nilah c'est trop fort, je peux pas ignorer. Et en fait, c'est surtout que j'ai besoin de Yonia pour lui, là. Donc, quitte à jouer Yonia... Bon, je revends le 7 pour le palier. Ça vous énerve, ça? Je sais pas, hein? Cette baguette, il est quand même... C'est quand même quelque chose, ça. Sinon, je sais même pas comment on la gear H. Faudrait que j'aille voir.
Vas-y, touche pas au 7, toi. Je vais aspect le crit, ça va être bien. Ouais. Okay. Tu peux avoir mon avis, vas-y, hein, dis-moi. Alors attends, 7. C'est quoi ces items? H. Un compo H carry, qu'est-ce qu'on lui met? Parce que je sais qu'on lui met la Swisper. Spationia, bah ouais, bah bien. J'ai pas Spationia, je fais quoi? Et y'a que Spationia! C'est H carry jamais en fait! Vous m'avez troll! C'est H carry avec Spationia ou rien? Vous êtes des dégueulasses! L'augmente sniper ou l'emblème Vanquish? C'est quoi l'augmente sniper? Après, l'augmente Vanquish, c'est l'augmente qui a le plus gros win rate du jeu, il me semble. Donc, c'est un peu dangereux. Scoped Weapon? Ah bah, ça dépend de ton board, mais. Enfin, non, c'est Spationia qui a le plus gros win rate. Mais Vanquish, ça doit être juste derrière. Après, Scoped Weapon, ouais, c'est vraiment c'est vraiment fort aussi, donc je t'avoue, je sais pas. Du coup, je fais H3 quand même. J'ai vu que des gens qui mettent Ginzu. Mais, enfin, on passe en bêtière directement. Il n'y a pas de non-Spationia. Mais c'est Deathblade. Deathblade, éventuellement Ginzu, quoi. Je me lance dans un truc de la sauce. Pour le spectacle, là, je me lance dans un truc de la sauce. Oula, il fait chier, lui. C'est bien d'avoir un secondaire Ikari qui vient prendre le relais quand lui, il part. Ah, sauf Darius, qui a... Dodge. Je ne sais comment. Oh, l'ambiance. Bon, j'avais pas de win streak à défendre de toute façon. Ouais, qu'elle soit plus. Prenne direct le relais là. Parce que là, le Darius qui a pu venir. En fait, le Darius il a dash sur lui. En mode dunk, tu vois, boum! Et sauf que. Vu que lui il est parti au moment du dunk, le dunk s'est transféré à H. C'était très bizarre. Velvet en 2-5, comment t'avais? Des niveau 7 en 2-5, what the fuck? Satisfaction. Bon, il y a Hoge, hein. Ce sera Hoge, je pense. Hoge Deathblade. T'as le pacte. Ah oui, vas-y. Satisfaction. Oh non, les problèmes, ça, hein. Quoique, en vrai, pas tant que ça. Ouais, avec Vi, ça marche bien. Je t'avais eu une fois le Star is Born avec un Shogat. Et le Shogat, il était venu très très vite. Le boss. Boum! C'est moi le boss. Un cruel pack, c'est un de mes trucs préférés. Oh, wow. C'est le hard, je pense. J'entrerai jamais 4 jug. Ça sert à rien. Le hard, il est big. Alors là. T'entends? Comment tu fais tes compos?
Comment je fais mes compos? Ça dépend de pas mal de trucs. Bah là, on a une compo qui a été dirigée par ma première augmente. Mais avant de lancer la game, non, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai 2-3 compos en tête que je joue mieux que les autres, donc je me dirige très souvent vers elles. En me disant, imagine, je sais à peu près jouer sorcier, je sais à peu près jouer Vanquisher. Bah si j'ai que des larmes et des baguettes, je vais aller sur sorcier, et que j'ai un swain par exemple au début, ma game elle se dirige vers sorcier, si j'ai une augmente qui peut aller vers sorcier aussi. Si à l'inverse j'ai que des gants et des BF et tout, bah je vais plutôt peut-être aller vers Vanquish. Ou... Dans l'idée ça ressemble à ça. 3-1 en 6 jug. 3-10 en 6 jug. 3-10 de win ratio en 6 jug de quoi? The boss? Là, je joue H3 avec. En vrai, je pense que le 6 Vanquish est trop fort. Là, on va jouer H3, 7-3, je sais pas pourquoi. On m'a dit, vas-y, teste! Tu vas voir, c'est trop bien! J'ai fait, bon, allez, vas-y, perdons des LP. Alors qu'en plus, apparemment, il faut vraiment une Spationia pour H et je l'ai pas, donc. La régalade au niveau maximal, quoi. Mais il va me falloir plus de front parce que ma hache elle est trop vite en danger en fait. Quand lui il se barre là. Alors oui, par contre, très très important à garder à l'esprit, il faut que vous sou... Not connected. C'est ma faute, attendez. Attends, il faut que je prenne un truc là. Il me faut la BF. Et toi t'es mort toi? Toi je te retrouve toi. Je prends ça. Vers Redamp. C'est qu'une information! Oh, ça a bugué, attendez. Les LP. C'est qu'une information! Les LP, c'est qu'une information. C'est pour ça que le winrate est moins bon en Vanquish avec The Boss. Bah, peut-être. Un Freelord de zinzin, ça. J'ai quoi comme option là à rentrer? En fait, je vais aller au niveau 7 pour mettre le 6 Vanquish. Il a Osef des reroll là, non? Et même la hache, je la revends en fait. Et ce sera Xayah, Osef, et je joue un The Boss. Je joue pas un The Boss niveau 3. Non, juste j'avance. Je pense pas qu'il faut que je fasse des niveaux 3. C'est une erreur. Merci. Je pense que c'est une erreur d'aller faire 7-3 H3. Je l'aurais considéré avec la Spationia, là je pense que c'est une erreur. En plus j'ai la Hoge, c'est vraiment trop bien sur Nila. Par contre il vient lui. Hein. En vrai s'il vient naturel, moi ça me va, mais là je vais au 7. No joke, ça c'est la différence entre un top 8 et peut-être un truc où je vais m'en sortir, hein, je pense. On a pris l'augmente qui nous a donné une hache, qui nous fait snowball. Fait chier lui. C'est pas lui. C'est Fushi à la place, mais Fushi il est nul. Donc ça va. Fushi, il a une Kayle qui n'est pas niveau 6. Donc c'est une Kayle inutile. Et oui, Jamy. En vrai, j'aimerais bien quand même 7-3, même si je joue pas H3. Et on en a déjà 5, donc ça se tente. Bon, et du coup, ouais, le jug, quoi. Et j'aurais déjà 6-7. Une hache, tiens. On sait jamais elle, hein. Non, je force la compo de Noxus sur Ima. Force à toi, hein. Tant que ça monte. Tant que ça monte, c'est bon. Non, je dirais même plus. Tant que vous vous amusez, c'est bon. Ah ouais. Ouais, l'ambiance.
Allô? Je descends à 40. Ouh, l'ambiance malsaine là. Je fais double hoge, non? Ouais, vous avez vu l'ambiance d'un coup là? Il y avait une bonne ambiance et d'un coup ça s'est fou, il y a eu des nuages dans le ciel là. Ah, la mauvaise ambiance d'un coup. Heck. Ouais, parce que Gift c'est broken aussi, mais Scopt c'est... Vas-y, Scopt. On peut avoir des persos ou... Bah du coup j'ai plus envie de le virer lui. Faut que je roule jusqu'à Nila, non? Chier ça. Ah mais là la H3 elle est cringe. C'est juste une hache que je rebuild, hein, je pense. J'ai regardé la comp... Non, je regarde pas Discord, hein, je suis en stream et tout. Hein. Je regarde après, mais... Pendant que je suis en stream, je regarde pas Discord. Encore Mr. Free. J'ai quand même cramé beaucoup de mon écho, est-ce que j'ai bien fait? J'aurais pas dû tempo un peu plus? Est-ce que je fais vraiment H3 avec ce gear? Je crois pas. Hein. Je vais remonter l'écho. C'est un peu chiant parce que... Il suffirait d'une Nila en fait, j'ai pas besoin de plus. On a Perxaya maintenant, je suis obligé de roll. What the fuck? On fuck elle. Il faut un Yonia random. Et ça sera un Sivanquish plus tard. Il y a un FF là. Oh, ouais. Il me faut n'importe quel Yonia. Donc c'est Karma ou Harry évidemment. Je suis un peu con. Et il faut une putain de Nila en fait. Et j'enlève les deux là. Et j'ai Sivanquish. C'est soit Sivanquish, soit Yonia. Mais on prie au Nila là. Oh, Nila Arc. Je l'aurais pas. Croyez-moi, je ne l'aurais pas. Donc. Pas de chaîne. Je pense que je prends un item pour Nila. Je prends un gant. Un gant de plus. Ou une BF, peut-être. BF à 1. Allez. Le top 8 en légende. Qui top 8? Lui là? Ouais. Ah bah ouais, mais bon. Vous le connaissez, celui-là. Je crois que je suis obligé de continuer à Donkey, non? Okay. J'avais besoin que d'une seule Nila. C'était pas beaucoup. Ça c'est très très bien, on est très content. Toi tu dégages Bolos. Du coup Nila elle est où? Elle est là. Et voilà. Ça a de la gueule. Le Sivanquish. C'est qui est un Yonia en trop? C'est 7. Mais bon du coup on va le laisser. Et chaîne il reste hein, parce que de toute façon chaîne c'est la base. Les plumes! Les plumes de l'oiseau!
Éventuellement, je fais Sionia au niveau 9, quoi, mais bon, c'est un peu sus de rentrer une Irelia, quoi. On va plutôt rentrer juste des grosses lèges et rester en Kationia et fuck it, hein. Je pense. Il y a un monde où même je vire chaîne, non? Le Jarvan est mieux, mais... pas sûr. Pas sûr que Jarvan soit mieux. Ok, plaçons-nous bien. Lui, il a cash out, c'est chiant. Lui, il est sus un peu, non? Le rogue. Fuck. Chain out pour du colosse. Bah, je vais rentrer du colosse parce que je vais rentrer Atrox, je pense. Après avoir remonté l'écho. Enfin, Atrox, c'est mon objectif en tout cas. Mais ouais, je vais mettre Juggernaut à l'autre fond. C'est sûr. Est-ce qu'elle le 1v1, mon 7? Pas sûr, hein. Je crois que 7 est meilleur, hein. Oh, 7, il lui a mis des tartines. À 4 colosses, j'avais pas vu. Si, ouais, 4 colosses. Je pense que c'est overkill. Parce que c'est des cacaboudins que je vais rentrer, non? Non, je peux rentrer un Azus ou un Nautilus. On va voir. Le truc, c'est que lui, il est pas niveau 3, quoi. Il serait niveau 3, voilà, mais on est que 2 off, hein. Parce que je peux vendre lui, les PV ils scalent vraiment bien sur les... sur les jugs. Donc un petit Nautilus avec une Mormog, ça fait plaisir. Bon, la zone là on a besoin d'items soit Nila soit Xayah. C'est tout. On a pas besoin du reste. Il y a des belles choses. En vrai c'est ça, hein. Deathblade, JS. Wedge of Night. En vrai, Edge of Night, ça l'a fait tenir, quoi. Comme ça, le temps que lui revienne. C'est peut-être mieux, Edge of Night. Et le JS part sur elle. J'aime bien attaque. J'ai pas re-regardé le rogue, hein. Ça c'était une erreur. Ah, ils sont vite sur ma backline quand même, hein. T'as fini de faire tes abdos toi, Bolos? C'est dangereux quand même, hein. C'est dangereux, The Boss, hein. Putain, j'aime pas, je me sens toujours en insécurité là. Pas par rapport à ma vie sentimentale, évidemment, mais... En fait, le fait qu'ils aient scope Twipon, les autres, ça m'arrange pas. C'est ça que je me dis, c'est qu'il faudrait qu'ils soient là, mais s'ils sont là, l'autre, il prend plus assez l'aggro, non? Parce que le scope Twipon, ça fait chier sur eux, en fait. Tant pis, je les mets comme ça, non? Il va quand même prendre l'aggro. Ils peuvent pas avoir scope Twipon, les cons, c'est trop chiant. Qui veut une baguette? Tu veux une baguette, toi? J'adore ça, les baguettes, je suis sûr. C'est l'augmente la plus drôle. Ouais, ça en fait partie, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que c'est rigolo. Ouais, en plus, il attend de lâcher un premier stun avant de se barrer, ça c'est quand même caviar. Non, mais putain! Ça fait trois fois qu'on me fait le coup, là, sur la Kayle. Ma Xayah, elle se fait soulever, hein, genre, c'est trop dur. Riftwalk à The Boss. Ah, Riftwalk. Alors, je préfère Riftwalk à The Boss en termes de rigolage. Mais par contre, c'est pas viable. Donc, c'est chiant. Bon, il me faudrait 7-3. C'est big, ça, non? La tourelle, elle prend l'aggro le temps de... Fuck 4 colosses, là. On fait ça, level up et il meurt. Et lui, ce sera Atrox. Non, bah non. Ah, je sais pas. C'est tellement de tempo pour Xayah, ça. Mais c'est pas... Ouais. Ah, je sais pas, j'aurais dû le garder, je pense. Je pense que j'ai fait une erreur, là.
Warwick. Mais je prends pas Warwick, fermez vos gueules. Bat. Elle tape de loin. Hein. Oh, le Edge of Night Diff. C'est mieux si Colosse ou quoi? Ah. Pardon, Spiller. Je croyais que tu me disais prends Warwick parce que c'est un Juggernaut. Excuse-moi de t'avoir enguirlandé. Je pense que je prends 7. Fuck l'item, non? Non, j'ai quand même besoin d'un dernier item Nila et Wardbreaker, c'est big. Même Ginzu, c'est fine. J'étais enguirlandé pour rien. Ah, je me sens pas bien. Du coup, j'ai pas compris la question. C'est mieux si Colosse ou... Et t'as pas fini ta phrase. Du coup, je sais pas ce que tu voulais dire. Vas-y, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, en vrai. Non. Je pense que Shen est quand même un peu mieux pour l'instant. Ouais, pour l'instant, lui, mais... En vrai... En vrai, je sais pas. On fait Xayah 3 et juste fuck it. J'aurais pas dû mettre Hammer. Hein. Je vais quand même faire 4 jugs. Maf, j'ai chaîne 2 maintenant, tu vois. Chaîne 2, tu l'enlèves pas. Hein. Chaîne 2, faut être un pitre pour l'enlever, non? Chaîne 2 plus Hammer, c'est suffisant. C'est juste lui que j'enlève. Reste en 2 jugs. Ouais, je vais faire les augmentes de la tourelle, c'est suffisant. Nila 2 et fuck it. Voilà, ces décisions qu'on prend au fur et à mesure de la game en fonction de ce qui se passe. Est-ce que c'est pas ça le beau jeu? Par contre, je peux avoir un repair ou pas du tout? Ou je peux aller me faire foutre? Merci. Il m'a coûté cher lui. Hein. Bon, Nila, ce serait bien ma grande que j'ai une paire au moins. Il faudrait lui niveau 3, niveau 3, Nila 2 et on fait pas plus dans la game, je pense. Hein. Merde. Bon, c'est pas grave. Le Deathfire, il va partir ici, mais... Mais c'est fine. C'est fine, il va se barrer juste méga tôt. Mais la tourelle a déjà tanké une fois, et du coup, Shen tank. Et le temps que Shen meurt, il y a la tourelle de nouveau. Donc c'est très très fine. Ah, c'est pas assez. Ouais, mais c'est Nila 1, c'est normal. On a beaucoup de PV. On est... Je pense qu'on peut au moins top 4, là, cette game. Vous en dites quoi? Ah, en vrai, même pas sûr. Hein. Ah, il y a un monde où notre board, il suffit pas pour faire top 4, là. Putain. Et si j'arrive pas à top 4, cette game? Oui, oui. Enfin, merci pour ton follow, mais... Prends les golds, bis de pute! Je vais y perdre un palier pour rien. Attends, les Xayah, là, mon ref? J'ai pas de burn, en vrai. Je mets pas un burn en dernier? Genre, fuck it. J'ai pas de burn, hein. Ça va être chiant s'il y a du heal. J'ai pas scout s'il y avait du heal, en fait. Un peu... Ah oh, ouais, y'a un peu... Ouais, y a un peu de heal. Vas-y, je vais mettre un burn. Frère, le nombre de Xayah. Après, c'est emblème Yonia au cas où, mais je le prends pas. Je sais pas si Yonia là. Là, je garde mon setup comme ça. Hein. Il est parfait, mon setup. Juste, j'ai Nila 1, bientôt Xayah 3, mais. À part ça, mon setup il est parfait. Je remonte un peu mon écho, je pense. En vrai. Regardez, je vais les confuse. Ils vont pas savoir. Ça me deny ou pas?
Il ne deny pas, il fait écho 3 lui. Je vais me faire un petit... Ma tourelle, je vais peut-être pas l'avancer autant là. Je vais peut-être me faire un petit cluster là. Un cluster Covid là, qu'est-ce qu'on en dit? Le jeu voudra jamais me donner un dernier Xayah. C'est mal connaître le jeu ça. Le jeu, en fait, il faut savoir qu'il est extrêmement sympathique. Le jeu, quand tu parles poliment, calmement, tu fais pas des demandes exorbitantes, il donne toujours 100%. C'est scientifique, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Il est obligé. Parce que sinon, il y a une amende du gouvernement vers Riot. Donc non, faut le savoir quand même, c'est important. Vous rigolez, mais... Ah, ça me pète un palier de prendre le 7. On le prend pas, je pense, ok? Je vends, et je vends Xayah aussi. Je mets les items sur Emerdinger. Attendez, j'arrive pas à réfléchir là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, le play, j'arrive pas à le comprendre. Il a rang. Merci. Bon alors, attendez, comment on se place? On a dit qu'on fait un cluster. Un petit j'aurais dû mettre le Hammer Clown ici, mais bon. Bon, il y a Echo, il fait peur, c'est tout. Il a tapé Xayah et pas la tourelle, ce gros fils de pute, j'ai fait un cluster pour rien. Tu as battu. Est-ce que 7 va le faire? Pour la France, en fait. Ouais, mais bon... Ouais mais bon, hein, ça va peut-être aller. Bon, c'est la crown juste. Les 4 goals, c'est pareil. J'attends le PVE pour roll. Pour être sûr de l'avoir. Trust. Bon, c'est plus le rogue. Normalement, je le bats, lui. Plus, je le pulvérise. Je mets mon set un peu par là. La tourelle qui va reprendre une aggro et... On se met de l'autre côté avec Xayah, je pense. Genre ça. Ça, c'est un bon positionnement. Echo, il a smurf. Gros, il a slalomé. Il a dit juste L. Boum, target. Parce que s'il tapait là-dessus... Je pense qu'on pouvait gagner. Ah, ouais, si, parce que je pense qu'on tuait un rock de plus et du coup, peut-être que 7 ils s'en sortaient. Putain, il court vite le boss, hein. Pour le beau jeu, tu vas l'avoir. Mais non, mais je vais l'avoir, quoi qu'il arrive. Je vous ai dit que c'était la loi. Enfin, putain, vous écoutez pas. En vrai, vous êtes relou, hein. Enfin, quand je vais pas l'avoir, ça va être terrible. Donc, lui, il l'a tué. Très bien. Bon, watch me cluster. Watch me cluster. Nila, faut qu'elle soit young, wild and free. Ça, c'est sûr. Là, il se dit, je vais le brain. J'ai essayé à toi de là-bas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du move. Mais 7 il va derrière ce con. Ah non, pas encore. Putain, mais 7 le gros con. Trust, on va voir Xayah 3. Il est deny pas, il deny Nila. Mais j'ai même pas Nila 2 en fait. Je réalise là. Trop fort. J'ai même pas Nila 2 en fait. Problème. Mauvaise ambiance. Il roll ou pas? Il regarde si je roll et je regarde s'il roll. Putain, je ris le 7. Là, le problème, c'est qu'en fait, il va du côté de la Xayah. J'ai même pas pensé, mais ça suffit pas, du coup. Le cluster, il faut qu'il soit là où il y a passé perso. Et vu qu'il... En fait, il grid trop avec son wood. Je pense que ça va être... Si j'arrive à bien me positionner, ça va être très coûteux pour lui. C'est vrai que j'ai pas ni la 2 non plus. Hein. Bon. Mais moi je vous préviens. Je vous ai prévenu, je vous ai dit c'est la loi, vous écoutez pas. Donc là, maintenant fermez vos gueules.
Je connais mieux la loi française que vous. Donc vous fermez bien vos gueules. Par contre, j'ai pas ni la 2. Ça, c'est une vraie dinguerie. C'est la loi, mais je vous ai expliqué que c'était la loi, mais de toute façon, vous ne croyez jamais, ça c'est insupportable. Mettez ça, je lui mets une Deathblade. Il nous bat ou pas? La vérité, je sais pas quoi prendre. J'ai pris une Deathblade. Qui est pas arrivée sur mon banc. Ok. Parce que lui, il fait des dégâts là, en vrai. Un peu. Putain, ma Nila 2 là. La Nila 2 qui arrive là. Oh merci alors. Merci Azro. S'il te bat, c'est une fraude. Ouais. Regardez, j'ai une technique. Lui dites pas que j'ai fait ça. Hein. Il a rebougé au pif, ce gros bâtard. Il a battu. Il a rebougé au pif. Il a pas vu que j'ai fait ça parce qu'il scoutait pas mon son. Ok, ni la 2, ni la 2, boum. Bon, attendez, c'était mieux là-bas hein, quand même. Du coup, si je mets chaîne ici, là, il est dans la sauce parce que... Et je bait avec Emmer d'Inger là-bas. Parce que Darius, il va pas bouger. Regarde, il y a la tourelle qui est bien bien de ce côté. En fait, j'aurais dû la mettre plus à droite, la tourelle, vous voyez. Elle va encaisser à mort, la tourelle, là. Eh oui, j'étais con. Non, mais c'était de ma faute. J'ai failli chialer sur le jeu alors que c'était de ma faute. Non, non, je suis une fraude. Je suis une fraude de fou. Non, je suis jamais, vous êtes des ouf. Ah putain, encore un top 8. On va jamais sortir du Iron 4, hein. Ah, c'est relou, on va jamais y arriver. Putain, on est enfoncé jusqu'au cou dans Iron 4. On fait que des 8.